Yo tout le monde, c'est Anto de la team FMAX. Aujourd'hui, on est avec Eddie et Peter. Donc, yeah. C'est ça. Donc, aujourd'hui, épisode 9.5. Pourquoi? Parce que c'est l'épisode de préparation pour l'Ender Dragon. On vous montre quelques trucs qu'on a fait, en fait, dans la ville. Et ça va vous surprendre, pas rien qu'un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, on commence directement par les nouveautés du bar. Wouhou! J'allais montrer. Coffre à stone. Cobble interdite. Hein, Eddie? En tout cas, ouais. Coffre nether, tout ce qu'il y a nether. On passe à terre. Ouais. Ici, l'enclume. Table d'enchant et tout. Et voilà. La salle des fours. Et un système de four automatique. Un système de four automatique. Donc, si on monte... la décoration, là. Ouais. Donc, si on monte, on a les panneaux qui indiquent très bien ce qu'on veut. Ce qu'on veut tuer dans ce coffre-ci. Et le charbon dans ce coffre-ci. Donc, attention, je... Donc, c'est ça pour ce qui est de... Ah non, on n'a pas totalement terminé. La chambre est libre, ma chambre, vous connaissez. Ensuite, ici, on arrive dans la salle des coffres. Bon, hein, petite... voilà, on a un petit peu de diams. Le coffre à bordel du haut, d'ailleurs, qui ne s'ouvre même pas. Donc, on a des coffres. Voilà, c'est pas mal ça. Et ici, le salon. Oui, pas décoré du tout. Le salon avec une très belle vue, hein. Oui, oui. Donc, si moi, je remonte en haut. En haut, il n'y a rien de nouveau, hein. Il y a tout ce que vous connaissez déjà. Dehors, oui. J'ai oublié de te montrer à toi aussi, mais on a un petit peu avancé l'hôtel. Oui, ça, oui, j'avais à moitié vu. Okay. Voilà, hein, vous voyez très ici, bien. Ici, on n'a plus les mobs à cause d'un bug. Oui. Non, non, ça va. Et... Il n'y a plus d'animaux, voilà, on ne sait plus justement, pourquoi. C'est quoi, c'est ok. Ici, la ferme auto que vous connaissez très bien. Si on descend les marches, je vais y aller de ce côté-ci pour pas vous spoiler. Les marches que j'ai pas finies d'ailleurs. Et le super beau mur. Vraiment là, je suis impressionné par ce qu'ils ont fait. C'est moi qui le fais, arrête de donner du mérite à Eddie. D'accord. C'est moi qui le fais. Oui, mais ce que t'as fait aussi, c'est la belle explosion ici que Eddie voit l'image maintenant à l'écran. Regardez le wiki là. Attends, oh merde, il y en a partout. Viens là-bas. Fais attention! On s'en va. Fais-le quand même. Ouais, je l'ai fait. Attention. Attends, le même fail là. Viens. Non, mais. Non. Ah, mon diam. Oh, ma potion. Ok, tourne. Et puis moi, 2 silverfish, puis maintenant 4 silverfish. Ah oh ouais, c'est l'invasion de silverfish que je suis en train de tout te déglinguer. Voilà, merci Peter. Et donc, le chemin, tout. L'avancement sur l'hôtel qui n'ont d'ailleurs jamais attends, continué parce qu'il y avait la flemme. Ouais. On n'a pas montré encore le métro. Ah oui, on le montre rien qu'après. Le métro, oui, on l'a montré, me semble. Donc, le parc. Ici, vous voyez un petit peu l'hôtel, tout. Ici, je me colle ici. On a fait un village entier. On a fait un désastre. Oui. Donc, la carte, c'est moi qui l'ai faite. Il y en a 3, puis c'est 15 cartes de 3 x 5. Oui. 3 par 5. Après 4 heures de farm. Oui, parce que c'était long de farmer à canne à sucre. Et au début, j'ai fait des cartes de n'importe comment. Donc, voici le résultat final. Donc, c'est 8 chunks par 4, par carte. Il y en a 15. Faites vos calculs. Je sais pas combien ça donne. Et voilà, donc voilà l'entièreté du gros village qu'on a. On ne s'étendra pas plus gros. Si on s'étend, on s'étendra vraiment pas plus gros que la carte parce que ça vient trop compliqué. Tous les petits points verts que vous voyez ici,
ici et ici. Ce sont les trois cartes identiques à ça. Et nous, on est à celle-ci, juste ici, là. Donc, c'est ça. Donc, on va rien que faire un petit tour au niveau ferme. En haut, on a citrouille. Ici, on a une giga à blé, des citrouilles et canne à sucre. Ça s'appelle même plus une ferme, ça s'appelle une giga à blé. C'est ça. Donc, c'est ça. Ici, on va passer. Normalement, ici, t'as des vaches, des cochons, des moutons, tout, mais il reste rien que deux chevaux. Deux chevaux, pardon. Puis, on a testé avant, moi puis Eddie, mettre des mobs, tout. Des mobs, tout ce qu'il y avait, puis ils disponnaient tout seul. Donc, on Donc, imagine que c'est un bug ouais. du serveur, donc on va Ouais. essayer de régler ça Ouais. plus tard. Voici la deuxième carte qui est ici. J'adore les petits points verts. Donc, et bon, ici on a la partie du village qui est déjà générée automatiquement par Minecraft. Voilà, hein. Ici, on a une semi-tour de piste qu'on va vous montrer. Le parcours, la montgolfière, Exmo, bateau, vous connaissez, blablabla. Donc, c'est ça. On va aller vous montrer la semi-tour de piste que Peter a faite. Pas bon pour faire les tours de piste. Ben, vraiment, là, la tour de piste, là, vous allez le voir, là. J'ai plus l'impression qu'on a pris une partie, on l'a déplacée d'un bloc et c'est tout. Ouais, c'est Moi, ça. là, je t'aurais dit vraiment décale tout le temps de 1. C'est ça que je t'aurais dit de faire. Ben, Ah, la ben, pise est merci. pas tant. Ben, voilà à quoi ça donne, hein. Vous pouvez juger par vous-même, hein. C'est bon, c'est pas grave. Des petits tours d'observation un petit peu partout, il y en a trois. Et Celle-là, c'est la d'ailleurs, plus belle à mon goût. ici. Oui, hein, je sais pas c'est qui a fait Ça, le piège. c'est en mémoire à moi qui est mauvais. Qui est mouru. Donc, Oui, Eddie, qui est mouru, c'est très important. il manque beaucoup de vitres, tout, des Ouais, mais ça risque portes. d'être les écoles. Ça risque d'être les Ouais, écoles. mais ça, on va voir qu'est-ce qu'on aménage, puis tout. Je vais faire les noms des rues et tout. Donc, voici la troisième carte. En fait, le chemin qu'on a fait, on est parti d'ici, on a fait ça, on est parti là. Ici, la ferme à citrouille, on a passé ici, on est allé voir cette carte. Ensuite, on a pris le chemin là, on est monté tout ici comme ça, arrêtez de me jeter. On est venu à la tour semi-pise, on a remonté. On a remonté ici, là, et on est venu ici. Donc ici, c'est un quartier riche un peu, hein. Ça va être ce quartier-là. Donc, je veux personne qui tire des flèches sur les pancartes parce que ça détruit. Donc, vous pouvez venir. Tout à fait, ma Ah, et oui. en Oui, fait, justement, Ça, j'ai un c'est... micro. Oui, ça c'est l'entrée d'une autre station de métro. Non. Donc, tout le monde en prend Minecraft? Ben, Je bravo, l'ai il y a un très très bien creeper. entendu. Où c'est qu'il a pété lui? T'as entendu un creeper? Et Non, c'est qui non. est arrivé? Il est ici. Il y avait le Ici. creeper. Ah, il a pété Je en bas. l'ai tapé. Alors donc, c'est pas grave. T'as-tu filmé au moins? Moi j'ai Ouais. entendu le boom et voilà. Moi, Donc. j'ai juste rien entendu. Mais Donc. attends, viens. Non, Viens moi ici. je vais directement aller vous montrer une petite bâtisse qu'on a faite. Ah, c'est D'ailleurs, tombé, je l'ai c'est ça. Et MK ne met plus jamais des vignes sur les portes et les vitres. C'est drôle. Depuis tout à l'heure, j'en casse. J'entends un métro passer en dessous de moi. Donc, voilà. Donc, on va continuer de casser parce que MK il fait joujou avec les petites vignes. Hein. Depuis 8h30 à matin, j'en casse. Mais non, c'est mes vides, je sais plus. Depuis 8h30, bien sûr. Bon, je Donc. réponds plus. me plante. Merci MK. Ben, Peter. Voilà. Bon. Donc. Eddie, je te laisse expliquer ce que c'est le chez Super E. Donc, donc le Super E, c'est en référence à Super C, mais E comme éphémère. Donc ici, on a l'entrée et la sortie, et on va rentrer par la sortie. Ouais, mais de toute façon, tes amis à l'envers, selon moi. C'est pas toi. Non, c'est moi qui les ai mis à l'envers. Ok. Donc, mes petites choses que je vais avoir à faire, parce que j'ai pas été là pendant. J'étais en vacances pendant qu'ils ont fait ceci, en hors cam. Et ils m'ont dit simplement après, je suis revenu, viens pas, on fait quelque chose, ça va être une surprise. Donc, ce que j'ai à faire, c'est les planchers des maisons, parce que vous voyez ces lettres, l'intérieur du Super E, les noms de rue, Ça, tu vas apprécier. oui, et le village, réparer un peu le vrai village, là. Le vrai de vrai village, voilà. Enfin,
se faire déglinguer par un squelette. Non, il va vivre le squelette. Ouais, ouais. J'aurais dû te voir, mon PVP. C'est là. Voilà ce que j'aimerais bien faire. C'est hilarant de voir PVP. PVP, pas vraiment. Oh, c'était hilarant. C'est à peine si tu l'as touché. Non, non, je l'ai touché pas mal. D'après toi, pourquoi il était en feu? Donc, oui, ouais, je suis pancarte 1. On va l'appeler ça comme ça. Oui. Pancarte 2 au à l'enclos géant. Et pancarte 3 riche. Oui. Mais j'étais là, je m'en venais. Voilà. C'est de quoi? Ici, c'est un bunker. Pas du tout sécurisé. Non, mais on va le faire là, une prochaine fois. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Anto, c'est pas mal ça. Oui. Et c'est ça pour ce qui est village, tout ce qu'on a avancé beaucoup là. Je sais pas, me semble qu'on vous avait déjà parlé du métro, qu'on l'avait déjà montré. Je suis pas trop sûre, mais me semble. Pour ce qui est tout village et tout ce qu'on a avancé. Et vraiment, là, le screen qu'il m'avait montré, là, c'est Yank en face de l'hôtel. Un début de bâtisse ici, je pensais que c'était agrandissement de l'hôtel. Mais pas du tout! Je ne m'attendais pas du tout à ça. De toute façon, on a vu ça. On va. Je vais vous montrer justement comment que Anto a réagi à tout ça. On va switcher là. Vous avez fait un petit village! What? Et donc, c'est tout pour cette vidéo. Pas beaucoup de contenu, mais on voulait vraiment vous montrer l'avancement qu'on a fait avant l'Ender Dragon. L'Ender Game. En 9-cam. Ouais, en 9-cam. Parce que c'est quand même... l'épisode 10 va vraiment être concentré sur l'Ender Dragon. Et pas autre chose. Donc, c'est vraiment... on voulait vous montrer tout ce qu'on a fait là. Et lâchez un like. Abonnez-vous pour nous soutenir. Écrivez dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse quelque chose en survie pour la saison 2 qui va arriver d'ici un mois. Le premier épisode d'ici un mois. Et sinon, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!